Bonjour et bienvenue sur Tatapot TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes fritures de bananes plantes. Comment est-ce que je découpe? Voici comment je découpe. Ça, c'est ma première façon de découper les bananes plantes. J'épluche d'abord. Puis je découpe en rondelles, tout simplement. Rondelles, on va dire de 1 cm de diamètre, non, pas de diamètre, d'épaisseur. Donc rondelles de 1 cm d'épaisseur. Ça, c'est pour la première méthode. Ensuite, vous pouvez faire frire. Pour la deuxième méthode, découper comme ça en biais ou en lamelles. Vous pouvez tenir pour couper ou bien vous pouvez déposer pour découper. C'est pour la deuxième méthode. Pour la troisième méthode, découper d'abord le plantain, la banane plantain en deux. Et ensuite encore en deux. Et puis vous faites des petits dés de 1 cm d'épaisseur. Donc voilà pour la troisième méthode. Découper en quatre, puis découper en petits dés. Dés ou triangles. Donc voilà. Et ensuite, vous faites cuire. Tout simplement. Bon, voici pour la quatrième méthode, les plantains tapés. Pour cette, non, ça c'est pour la, non, c'est toujours en biais, c'est une autre méthode. Ça, c'est pas les plantains tapés. Vous découpez le plantain en deux et vous découpez ça en biais. Voilà, vous pouvez attraper pour découper comme ceci. C'est tonton pour qui est en train de découper, ou bien vous pouvez faire comme moi. Vous déposez et vous découpez tout simplement. Alors, la méthode des plantains tapés, la voici. Cette méthode, il faut des plantains mi-mûrs.
pas trop mûres. Là, j'ai fait des plantes mûres, mais vous pouvez faire des plantes mi-mûres ou bien carrément non mûres, hein. Vous découpez comme vous avez vu là, ou bien vous mettez en entier. Vous faites cuire une première fois, vous faites pré-cuit, pas trop cuit. Vous pré-cuisez d'abord quelques minutes, le temps que ça devient un peu malléable. Et ensuite, vous retirez du feu et vous allez encore. Non, vous allez recuire, mais avant de recuire, vous allez taper. C'est pour ça qu'on appelle sa plante un tapis. Donc voilà, c'est prêt à être tapé là. Pendant que c'est chaud, hein, vous allez taper pendant que c'est chaud. Donc vous tapez comme ça, pas trop, juste un peu. Vous pouvez appuyer même, tout simplement. Donc j'espère que vous avez vu comment j'ai coupé. Soit vous découpez en 2, 3 ou bien en tranches avant de pré-cuire, taper et refaire cuire encore. Ça dépend de vous. L'épaisseur doit être de 1 cm comme toujours. Donc voilà la méthode des plantes tapées. Là, je refais encore cuire. Et c'est croustillant. C'est ça qui est bien avec cette méthode de plantain tapé là. C'est que les plantains sont croustillants. Ne faites surtout pas avec les plantains trop mûrs. Vous pouvez faire les plantains non mûrs ou bien mi-mûrs. Qui commencent un peu à mûrir quoi. Donc voilà pour mes méthodes de découpage de banane plante. Et voici le résultat. Là, vous avez tous les types de découpe de banane plante à loco, mi-soleil. Plantain frit. Donc il y a vraiment de tout. Alors je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube pour d'autres recettes. Si vous avez des questions, commentez. À bientôt sur Tata Paul TV.